Bonjour à tous, je vous fais un petit live un petit peu rapido. J'ai vu les départs qui partaient du sud de la France. Je tenais à vous adresser un grand, grand, grand bravo. Vraiment, vous êtes, mais alors, merveilleux. Ces images-là, elles sont super positives. C'est exactement ce qu'on attendait. Vraiment, je suis plus que ravi que les citoyens français aient pris un petit peu les choses en main. Donc je suis un petit peu fatigué, mais ça va, ça remonte le moral, vraiment, ça remonte de voir tous ces gens-là se prendre en main et avancer dans ce beau convoi, qui, je vous le rappelle, reste pacifiste. Une belle convergence s'annonce en direction donc de la capitale, avec plein de points de passage. J'aimerais vous dire quelque chose qui apparemment n'a pas très bien filtré. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Nice, par exemple, ce n'est pas le gros du convoi. Donc les gens m'ont dit ah bon, c'était déjà pas mal là. Ben on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont rejoindre demain. Voilà, demain, après-demain, il y a beaucoup de départs qui sont prévus pour les mêmes endroits. Il y a aussi des convois qui sont restés en petit nombre, 5, 10, 15 voitures qui restent discrètes pour rejoindre demain. Donc vous n'êtes vraiment, mais alors je pense, mais vraiment pas au bout de vos surprises. Donc les médias m'ont accueilli plusieurs fois. J'ai quand même parlé parce que sinon ça laisserait la place à d'autres. Et je me fais le garant, je vous assure, de cette neutralité. J'y tiens véritablement. J'en profite dans cette vidéo pour saluer beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Je vais commencer par Gwen qui est celui qui a créé le groupe, qui s'en est emparé, qui fait vraiment bien les choses, qui a fait avancer ce groupe pour qu'il avance dans la bonne direction, dans le pacifisme, dans une bonne communication. Et ça marche bien parce que vous jouez tous le jeu. Et voilà, et on est en train de prouver à tout le monde qu'on réussit. Mais bravo Gwen, si tu me regardes. Vraiment, je t'embrasse, t'as fait un travail de dingue, vous avez vu, 300 000, je vous assure, c'est pas facile à gérer. Et j'en viens au suivant, c'est les modérateurs qui font un travail de dingue. Il y a 10 000, 30 000 publications jour, vous n'imaginez pas le travail qu'ils ont juste à trier les publications. Et voilà, et grâce à ça, ben, on a pu arriver à une communication dingue. Ensuite, je remercierai tous ceux qui est tout mon collectif, la meute, OBT, tous les collectifs qu'il y a autour, qui ont rassemblé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de collectifs pour qu'on ait tous le même message. Et ça a été vraiment de longues discussions entre tout le monde. Et ça a été beaucoup de nuits blanches pour eux. Donc vraiment, il faut les soutenir. Il faut aller au bout, les amis, parce que je vous assure que beaucoup de bonnes énergies ont été dépensées là-dessus. Ensuite, écoutez, je remercierai tous ceux qui ont joué le jeu. Politique à politique ou non politisé ou simple citoyen, surtout le peuple de France, tout le monde a décidé de ranger son étiquette, à la mettre de côté. Et ça c'est vraiment merveilleux. Ensuite, je remercierai aussi tous les liveurs de France, toutes les chaînes Facebook, les pages, les groupes qui nous ont largement relayés et qui m'ont laissé m'exprimer, qui ont laissé s'exprimer beaucoup de citoyens. Voilà, parole est revenue à nous, parole est revenue au peuple. C'est à vous maintenant de vous exprimer, de faire des lives, de les diffuser largement, d'inonder les groupes Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, je ne sais encore. Voilà, à vous maintenant, à vous les gars, il faut y aller à fond, la parole, vous devez la reprendre. Voilà, donc moi je serai aussi sur le convoi, je pars donc demain. Et je ferai des lives pour vous les amis. J'espère en rencontrer un maximum et la parole sera à vous. Donc parole libre. Comme j'ai l'habitude de le faire, comme je le fais depuis le début, vous aurez la parole. Ouais, écoutez, il faut pas écouter VFM. Faut pas que je lise les commentaires en fait. Donc vous êtes merveilleux, je vois beaucoup d'amour sur ce live, faites-le tourner. Il faut vraiment que les remerciements tournent aussi parce que il y a eu vraiment beaucoup de travail. Je pourrais pas citer tous les collectifs, je suis désolé, mais vraiment, ça me tenait à cœur de les remercier et écoutez, si vous voulez les soutenir, partagez un maximum pour leur rendre cet hommage à tous ceux qui travaillent dans l'ombre ou dans la lumière de toute façon, mais voilà, il y en a beaucoup qu'on voit pas et il faudrait les porter encore plus haut et les remercier tous les jours vraiment. Et je vous adresse un merci personnel à vous tous de participer à ce qu'on voit, ne serait-ce que pour vous-même et pour nos enfants. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt les amis.